Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo, mais qu'est-ce que je fais par terre et qu'est-ce que je fais comme ça? Je vais tout simplement vous parler de ceci. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est tout simplement un nouveau rangement que je viens d'acheter depuis quelques jours. Donc, ça fait maintenant une semaine que je l'essaye. Vous voyez, ça tourne. Voilà, c'est sur roulette. Je voulais vous faire plusieurs plan pour vous le montrer, mais ça va être galère pour moi, donc je vais vous le montrer au mieux. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est ceci? C'est tout simplement des rangements qui s'empilent. Moi personnellement j'en ai acheté 6. Par contre, c'est un petit budget, mais de toute façon tout sera marqué en barre d'infos. Je vous mettrai, enfin tout sera en barre d'infos, les liens, donc vous irez voir. Petite info, le socle, je vais vous le faire voir mieux en détail, il vaut 19 € sur Amazon. Et les compartiments sont à 21 € ceux-là. Et il y en a à 26 € qui ont un petit truc de différent que je vais vous expliquer, qui est à 26 €. Donc, pour une tour classique comme moi, j'ai acheté, il faut compter à peu près 150 €. Entre 130 et 150 € selon les jours, parce que des fois, ça varie. Des fois, c'est un petit peu plus cher et un petit peu moins cher. Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, les compartiments sont tous arrivés, emballés, déjà très très bien emballés, tous séparés dans des cartons. C'est emballé avec ceci, donc je vous en ai gardé un. Ils appellent ça, c'est de la marque Deflecto. C'est tout simplement, alors en français, plusieurs unités peuvent être empilées et déverrouillées. Récipient amovible avec couvercle étanche peut contenir jusqu'à 18 kg. Donc, vous voyez, vous pouvez ranger ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai voulu ranger tout ce qui était embellissement en métal et embellissement en plâtre parce que c'était tout mélangé et je n'y arrivais plus. Par contre, les embellissements en métal, bien entendu, ceux qui sont de marque et que j'achète dans des... qui a des emballages en carton, je les ai gardés tels quels. Par contre, tout ça, ça vient de la majorité. Il y a les mid-form, il y a tout ce qui vient de AliExpress et tout ce qui vient de chez Action. Donc, ce que j'ai adoré dans ces rangements, je vais me mettre debout, donc vous verrez que mes jambes et ma super tenue, c'est tout simplement, vous avez sur les côtés des clips, et voilà, et je pars avec. En fait, tout simplement, c'est ceci que vous allez prendre et emboîter, et c'est ça qui va clipser. Donc là, vous voyez, j'en prends un, si je veux, je déclipse l'autre, et je pars avec mes deux, et je promène, voilà, je... Et après, je les remets, hop, j'ai juste à le renclencher dans les petites fentes que vous voyez ici. Donc, c'est pas pratique pour moi hein, pour faire cette petite revue aujourd'hui, mais bon, je tenais vraiment à vous la faire. Et ce que j'adore, c'est que vous voyez sur les boîtes, nous avons des carrés. Et c'est ce qui permet, en fait, vous voyez, hop, là, tous ces carrés que vous avez au fond, voilà. C'est ça qui permet que une fois que... Hop. Tac. Là, je ne les ai pas remis. Une fois qu'ils sont bien dessus, ça ne bouge plus. Là, ça ne bouge pas. Et j'ai juste à prendre et à clipser. Donc, celui-ci, il est vendu avec 4 petites boîtes et une moyenne. Donc, il est à 21 €. Par contre, si vous achetez celui à 26 €, il est vendu avec une grande boîte et 3 petites. Ou une grande et 2 moyennes. Non, il est vendu avec une grande et 3 petites. Mais vous voyez que la moyenne, déjà, par rapport à ma main, elle est déjà très grande. Donc, c'est des boîtes comme ceci. Et que derrière, ces petites fentes-là vont venir se mettre dans ces fentes ici. Et ce qui fait que ça ne bougera pas. Et elles sont, hop, avec des petites... Voilà, et ça se ferme très très bien, c'est du costaud, vous voyez, il faut appuyer pour les refermer. Donc ça c'est la moyenne et ça c'est la petite. Voilà, toujours pareil, on l'ouvre comme ceci et derrière nous avons les fentes qui vont venir se glisser ici.
Donc, moi, ce que j'adore, par exemple, allez, hop, j'ai envie de prendre à l'étage de dessous, j'en ai soulevé 3, et le reste, il est ici. Vous voyez? Ça, c'est juste génial. Bon, par contre, ça commence à être un petit peu lourd, je vous l'accorde. Moi, quand j'ai créé l'autre jour, j'ai sorti mes tiroirs, je les ai étalés un petit peu à droite, à gauche, et j'ai sorti ce que je voulais. Donc, en haut, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis tout ce qui était métal. Donc, ici, nous avons les fleurs. Ici, nous avons les clés et les demi-perles que j'ai achetées chez Action. Ici, nous avons tout ce qui est, par exemple, les feuillages. Ici, j'en ai pas beaucoup, c'est des mi-formes. Et ici, j'ai mis tout ce qui était rouage et petites pièces que je me sers en scrap. Dessous, nous avons encore tout ce qui est métal, ici aussi. Par contre, si on passe à l'étage d'en bas, donc je vais vous l'enlever, j'ai mis tout ce qui était moule. Donc, j'ai 3 étages de moule, vous voyez. J'ai tout et croyez-moi qu'on en met. Là, c'est tout ce qui est lune et lune et étoile. Par exemple, ici, nous avons tout ce qui est... Je m'en suis fait plein d'avance. Hein. Je me suis fait tout ce qui était elle. Vous voyez, hop. Et on les voit très, très, très bien. Mais là, je vais vous parler du socle. Donc, en fait, vu que je n'ai pas beaucoup de retours et que je ne peux pas vous faire voir grand-chose, étant donné que mon trépied n'est pas très haut, le socle, c'est tout simplement un socle basique où vous avez 4 petites roues et nous avons un socle tout simple. Et on va prendre la première. Quelque chose qui est tombé derrière moi. Voilà, ça, c'en est un. Vous voyez, il est tout simple, il est plein. Donc, je vais venir tout simplement le mettre comme ceci. Et hop, je vais clipser ici et clipser ici. J'ai été encore embêtée. Vous voyez, donc nous avons les pieds. Et là, c'est tout simplement le premier étage. Il suffit, pensez bien à clipser dans les fentes. Et il suffit d'ouvrir là, c'est juste à pousser, hein, c'est pas clipsé. Et on va prendre les deux autres qu'on a, je vais venir les fixer. Hop, une fois et deux fois. Et là, j'ai mes 3 étages, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là. Vous voyez, là, j'ai tout ce qui est métal. Hop, je remets dessus. Bien entendu, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. C'est pas grave, voilà. Minimum, enfin maximum 18 kilos. Là, clairement, ça commence à être un petit peu lourd. Normalement, on peut être censé le porter comme ceci. Moi, je le porterai pas comme ceci. Hein. Ou alors, vous faites 3 par 3 et puis si vous avez des escaliers à monter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font que des étages de 3. C'est vrai que les pieds, ils sont à 11 ou 19, je ne sais plus, mais de toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai le lien du pied et juste d'un casier, parce que c'est vendu à l'unité. Moi, je pense que, voilà, si vous avez des bureaux, moi, je pense que vous pouvez vous faire des petites colonnes patriotes, hein, vous mettez 2 ou 3 casiers, vous les mettez sous vos bureaux ou si vous avez de place. Moi, je sais que je pense qu'avant Noël, je vais m'en racheter un deuxième pour mettre tout ce qui est patouille. Voilà. Les poudres à embosser, les cires, par exemple, tout ça. Je pense qu'on peut se faire des très, très bonnes catégories. Pour info, ce n'est pas du tout moi qui connaissais ça. C'est tout simplement Ninon de la boutique Horizon Créative qui nous en a parlé. J'ai clairement, littéralement craqué dessus. J'ai dit, je ne peux pas passer à côté. Hein. Je sais qu'elle aussi, elle se l'est achetée. Et je ne sais pas ce qu'elle a rangé, elle, dedans. Mais elle, c'était pour la patouille. Après, vous pouvez ranger par catégorie les fleurs. Vous pouvez vraiment ranger tout, 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 tout. Et comme je vous ai dit, celle qui est la moyenne, moi, par rapport à moi, je trouve qu'elle est très grande. Les dimensions, clairement, je ne les ai pas. Mais de toute façon, c'est tout marqué. Sur Amazon, bien entendu, moi ça vient de Amazon, je ne suis pas en collaboration du tout avec Amazon, je vous parle toujours d'Amazon. Non, 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 c'est le seul site que j'ai trouvé et que du moins n'était pas cher, malgré que c'est un coup. Mais voilà, j'avais vraiment, vraiment envie de vous faire une petite revue, donc c'est de la marque Deflecto, j'adore, voilà. Pensez vraiment à mettre les petits clips et après que vous dire, voilà, les petites encoches se mettent dedans, vous la voyez là.
Moi, j'adore. J'adore, j'adore. J'ai vu aucune revue française dessus. Déjà que américaine, il n'y en a pas énormément. Bien sûr, eux, ils font des très jolis montages, etc. Mais bon, voilà. Mais voilà, j'avais très, très envie de vous le faire découvrir. C'est un budget, certes, mais c'est un budget où vous pouvez être organisé. Voilà. Et c'est ça que j'aime, c'est que moi, maintenant, ici, je sais que ça marche pour ma patouille. Bien sûr, j'ai pas tous les embellissements en métal. Par contre, j'ai tous mes embellissements en plâtre ici. Donc, si j'en cherche, hop, que je sais que j'ai déjà fait parce qu'il y en a certains que je n'ai pas encore fait. Par exemple, là, j'ai reçu deux autres moules, mais vous aurez sûrement déjà vu la vidéo. Vous allez la voir dans pas longtemps. Je vais m'empresser d'en faire, de les laisser sécher et de trouver, parce que j'ai encore de la place dans une boîte en bas. Mais de toute façon, j'ai dit que j'allais en racheter encore. Hein. Donc, je pense que si j'investis encore dans des moules, eh ben, ce que je ferai, c'est que dès que j'investis dans des moules, que je sais que j'en ai plusieurs, j'investirai dans un nouveau plateau. Et s'il faut que j'ai qu'un plateau de 6, enfin, j'ai un rangement de 6 que de plâtre, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'adore, j'ai de la place. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est pas très très large par rapport à la desserte de Ikea, qui elle est un petit peu plus grosse. Mais de toute façon, toutes les dimensions seront dans l'article. Mais voilà, moi j'adore. Voilà, j'adore. C'est génial. C'est génial. Par contre, petite déception, j'ai eu un plateau qui est arrivé. J'ai eu 5 boîtes de cassé. Donc, je ne me suis pas fait rembourser parce que clairement, je n'avais pas du tout envie de les renvoyer et qu'ils me les renvoient. Par contre, parce que là, j'étais très, très, très pressée, en fait, voilà, pour tout vous dire. Mais ça, voilà, ça arrive, c'est du plexiglas, ça peut arriver. Si ça vous arrive, vous le renvoyez. Maintenant, sur 6 colonnes, Ninon n'a pas eu cassé et il n'y a que moi qui en ai eu une colonne de cassé. Donc, voilà, j'aurais été patiente de le renvoyer, me le renvoyer. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Mais voilà, les prochains que j'achèterai, je pense que je les achèterai un par un. Bon, par contre, si je veux racheter une colonne, bien sûr que je rachèterai tout d'un coup. Par contre, c'est fort possible que j'en achète un par un de temps en temps. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite découverte rangement scrap vous aura plu parce que c'est un rangement scrap. Mais pas que. Vous pouvez ranger aussi des choses de votre quotidien, pourquoi pas, dedans. Moi, je pense que c'est plus pour le loisir créatif qu'autre chose. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai très 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 mal aux jambes et je suis désolée, vous entendez peut-être un soufflant derrière moi, mais c'est tout simplement juste derrière moi. J'ai mis le chauffage et j'ai mis le soufflant pour chauffer un peu plus ma pièce. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous. Bye bye.